Hey, salut. Bonjour Jean-François, quel plaisir. Bien, hein. Ouais. On a bien choisi l'endroit, dis donc. Oui, on va voir des cristaux, là, comme à Chamonix, tu vois. Oui, on va voir une des plus belles collections de Paris. Hein. Oui, Jean-Franck, ouais. Tu dois déjà bien connaître ce magnifique endroit par ta deuxième passion. Chaque fois que je viens à Paris, je passe par ici, bien sûr. Et il y a de quoi, ouais. Regarde. Regarde, il y a de quoi. C'est des merveilles. Regarde ces pyrites, c'est incroyable. Tu te rends compte que la nature fait des cubes aussi parfaits, là. Oui, c'est... Donc c'est un sulfure de fer. Ouais. Donc des atomes, au début, tout de suite, font des petits cubes, et puis après ça se met autour, et puis ça continue de faire des cubes qui sont... entrelacent les uns dans les autres. Là. C'est une œuvre d'art. C'est magnifique. Alors, toi, il y a 3000 minéraux sur Terre. Ah oui. Tu as des soufres, tu as tout ce qui est dérivé du quartz, etc. Alors, tu as ça, par exemple, l'améthyste. Ça, c'est d'origine volcanique. Ah, il faut imaginer qu'une boule de silice qui était expulsée, va retomber, va refroidir. Ouais. Et puis, en refroidissant, ben, comme le cristal, il tient moins de place. C'est un état de la matière minimaliste, eh bien, ouais. Ça fait le creux à l'intérieur et ça cristallise sur les bords en refroidissant doucement. Et comme c'est des quartz, hein, ouais. Et comme il y a du fer aussi à l'intérieur, ça fait cette coloration violette. Magnifique, très spectaculaire. Couleurs. Avec un vrai jardin à l'intérieur. Et quand tu es au Brésil, là, dans l'endroit où ils trouvent ça, tu as des géodes comme ça qui font la moitié de la pièce. Là. Oh. J'en ai vu de 3-4 mètres de diamètre, des choses absolument démentielles. La nature fait des choses extraordinaires, surprenant. Hein. Surprenant, hein. Tout ce monde minéral. Ils ont une collection impressionnante. Ouais. Voilà, puis après, tu as le quartz classique, là, tu vois, ça. Les vrais diamants, quoi. Alors, tu vois, comme c'est. Oui, ces formes absolument incroyablement parfaites que la nature fait. Ouais, quoi. Ouais. Ce qu'on appelle toutes les lois de la cristallisation. Ouais. Ah oui, là aussi. Là aussi, tu vois. Ça, c'est un très beau quartz. Ça ressemble un peu à ce qu'on trouve à Chamonix, tu vois. C'est des quartz fumés, comme ça. Ah oui, oui. Là, c'est avec du mica, un peu de granit aussi. Voilà. C'est comme ça que tu les vois en haute montagne. Ouais. 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 Et des fois, ils peuvent être souvent, des fois, un peu à l'envers, comme ça, dans les fissures. Oui. C'est-à-dire que tu vois que le petit. Voilà, Et quand tu rentres à la maison, tu nettoies, tu découvres. Voilà. Ça aussi, tu dois en voir à Chamonix. Et à Chamonix, on trouve ça aussi du côté italien du Mont Blanc. Ce n'est pas dans le granit même, les cristaux sont à l'or blanc. En fait, tous les cristaux naissent blancs et transparents. Mmh. Et ensuite, c'est la radioactivité interne à la roche encassante qui envoie des photons de grande énergie dans le cristal qui disloque le cristal. C'est purement un effet optique. Le rayon lumineux, au lieu de traverser directement, va être gêné parce que le réseau cristallin va bouger. Mmh. Et ça donne cet aspect plus ou moins foncé, ou carrément noir. Hein. Quand c'est très, très irradié, ça fait des quartz carrément noirs et non transparents. Ah. Ouais. Ouais. Impressionnant. Des bijoux. Hein. Oui, c'est un vrai bijou. Ouais. Donc ça, ils ont taillé les facettes. Ah non, pas du tout, non. Pas complètement du tout. Naturel. Ça, c'est brut. Ah non, c'est brut, non. Ouais. Non, alors peut-être simplement ça a été nettoyé. Détruire. Souvent, il y a des oxydes de fer ou des dépôts calcaires dessus. Mmh. Donc le cristal n'est pas aussi translucide. On met ça dans l'acide. Pour le nettoyer, juste enlever le calcaire et enlever la rouille, et puis il ressort comme ça, mais c'est 100% naturel. Ouais, ouais. Bah dis donc, on va se prendre un café ici, il y a un salon derrière. Ah ben sympa, ouais. Bah, tu vois, ça par exemple, c'est voilà, une grosse améthyste. Ah ouais. Tu vois, il faut imaginer que c'est un morceau de la géode qu'on voyait tout à l'heure. Donc la géode d'une pièce comme ça, ça devait être quelque chose déjà de peut-être 2 mètres de diamètre, tu vois. Ah ouais. Parce que là-bas, au Brésil, quand ils trouvent des trop grandes géodes, ils les cassent parce qu'il n'y a pas le marché pour vendre des centaines de grandes géodes. Faut avoir la place. Et après, il faut arriver à les transporter. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Viens, Jean-Franck, on va boire un café. Dans le massif du Mont-Blanc, à Chamonix, lorsque l'on se promène dans ce massif, il suffit de regarder avec des jumelles les grandes parois. On trouve là des filons de quartz blanc. Ces filons de quartz blanc s'interrompent par endroits pour laisser une fissure ouverte, et c'est à l'intérieur de ces fissures que l'on trouve des cristaux. Donc c'est relativement facile à chercher. Après, il faut se rendre parce que ces fissures sont dans les grandes parois, des fois à 500, 800 mètres, 1000 mètres au-dessus des glaciers. Donc c'est de l'escalade et de l'alpinisme de haut niveau pour aller les chercher.
Mais la particularité de ce massif du Mont Blanc, c'est que lors de la formation, il y a eu de telles pressions qui a brisé les roches, qui a formé ces fissures. Ces fissures se sont remplies de quartz et ont donné naissance à tous ces cristaux que l'on trouve aujourd'hui. Et le massif du Mont Blanc, en plus, il y a d'autres minéraux qui se sont mis à l'intérieur de ces fissures. Et l'endroit, géologiquement, est presque unique au monde. On trouve des choses absolument extraordinaires dans ce massif. C'est comme ça que mon arrière-grand-père allait déjà chercher des cristaux, mon grand-père, mon père. Moi, j'ai cette passion parce que depuis tout petit, à la maison, il y a plein de cristaux. Je me souviens de mon père rentrant de course lourdement chargé, sortant de son sac les cristaux. Alors, quand on les trouve, ils sont un petit peu sales. Je me rappelle qu'il sortait ces cristaux pleins de boue, de matière, les passait sous le robinet de l'évier, et soudain, c'était des diamants qui sortaient. Donc, dès le départ, j'étais émerveillé par ces formes. Alors, vous voyez, le cristal, c'est naturel, c'est transparent, ça a une forme géométrique définie. Par rapport à la molécule de base de la formation, le quartz, ce sont des cristaux à six faces, comme ça, très spectaculaires, très transparents. Alors, dans le massif du Mont Blanc, en général, le granit est assez radioactif et les cristaux du massif du Mont Blanc, du coup, sont un aspect un peu plus fumé, en général, mais aussi transparent et d'aussi belle qualité que ce magnifique cristal qui est là devant moi. Alors, on a la chance dans le massif du Mont Blanc, dû à la présence de granite et de divers autres éléments lors de la formation des cristaux, de trouver un minéral qui s'appelle de la fluorine. La fluorine, c'est un minéral assez courant sur la planète, mais les fluorines de Chamonix qu'on trouve dans ce massif du Mont Blanc, eh bien, sont des cristaux rouges, on appelle ça ou rose, fluorine rose, d'une forme octaédrique, c'est des bipyramides à huit faces. Et ces cristaux-là, ben, dans le monde entier, on les trouve à Chamonix, en Suisse centrale, à quelques autres endroits, mais ça reste extrêmement rare. Et c'est vraiment l'or des cristalliers de Chamonix. Et on trouve aussi dans ce massif, dû à ces caractéristiques très particulières de formation, le cristal de roche, au lieu qu'il ait six faces comme ceci est parfait, on les trouve sous un autre modèle de cristallisation. Et ça, c'est absolument pratiquement unique aux Alpes. C'est les cristaux, ce qu'on appelle les quartz vrillés ou les quartz en peigne. Et c'est une forme extrêmement caractéristique, donc recherchée par tous les musées, les collectionneurs du monde. Ce qui fait encore une fois, avec la fluorine rose, que Chamonix est un tel endroit assez unique sur la planète au niveau de sa minéralogie. Donc sur la Terre, en fait, on trouve dans les différentes mines, et dès qu'on creuse sous terre, des minéraux. Alors il n'y a pas que le quartz, il n'y a pas que la fluorine rose, il n'y a pas que les quartz vrillés. Il y a 3000 minéraux sur Terre qui, dépendant de la molécule de base, font des formes différentes et des couleurs différentes. Donc c'est un monde carrément infini de magnificence de la nature, si vous voulez. Ça brille, les formes peuvent être très spectaculaires, comme on voit là autour de nous, dans ce magasin formidable. Et donc, on n'a jamais fini de voir des belles choses. Et en plus, chaque minéral, suivant l'endroit où il est, prend des formes un petit peu différentes, des couleurs plus ou moins. Ça peut être du vert qui va du vert tambour au vert foncé, ça peut être des fluorines qui ont toutes les couleurs possibles de la Terre, imaginables de l'arc-en-ciel. Etc. Donc, il y a une variété qui fait que c'est un monde, et tout ça, c'est la Terre, c'est complètement naturel, ces éléments qui appartiennent à l'écorce terrestre, quoi. Et donc, c'est d'autant plus extraordinaire, et donc, bon, je suis passionné de ça, mais je comprends qu'il y a aussi pas mal d'autres personnes passionnées par ce monde. On rentre dans les entrailles de la Terre, si vous voulez, ces entrailles de la Terre, elles ont formé des joyaux absolument incroyables. Et dans le massif du Mont Blanc, aujourd'hui, là où on trouve les cristaux, alors est-ce qu'on détruit la nature en allant les chercher? C'est la grande question, puisque le massif du Mont Blanc, en plus, est un endroit classé. Mais il faut savoir que la vie d'une montagne, c'est de continuer de monter, c'est que les Alpes continuent de s'élever d'un millimètre par an, donc la croissance continue des Alpes. Et tout ça fait qu'à un moment donné, il y a aussi l'érosion, il y a aussi le gel, le dégel, il y a le réchauffement climatique aujourd'hui, qui fait des énormes effondrements dans les montagnes. Et donc les cristaux, si on ne vient pas les ramasser à ce moment ultime de leur vie, où ils sont à fleur de paroi, puisque alors c'est dans
dans 10 ans, dans 100 ans ou dans 1000 ans, la paroi va s'effondrer et tout ça va être réduit en sable. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on nous autorise à aller chercher les cristaux encore. Et que on a un bel avenir devant nous. Et après, si vous voulez, moi, c'est vraiment une histoire de famille. Mon grand-père a été un fort cristallier. Alors, à l'époque, la montagne était beaucoup moins parcourue. Donc, il fait pas mal de premières ascensions, des endroits où jamais personne n'était passé. Donc, lors de ces passages, pour la première fois, il pouvait trouver des magnifiques veines de quartz avec des beaux fours à l'intérieur. Mais le Mont Blanc, si vous voulez, même si on dit qu'il est surfréquenté aujourd'hui, il y a plein de zones encore très sauvages. Et puis un four dans une paroi, c'est juste, ça fait maximum 1 mètre sur 1 mètre, quelque chose comme ça. Donc caché dans des parois de 1000 mètres de haut, de 3 km de large, avec des effondrements, des choses de partout, un relief extrêmement irrégulier, ça reste très caché. C'est pour ça qu'on arrive encore à en trouver aujourd'hui. Et c'est assez fort comme situation, c'est-à-dire que quand vous découvrez un four, vous êtes la première fois que la main de l'homme arrive là, si vous voulez. Il y a un aspect découverte, il y a un aspect originel de mettre les mains dans ces fissures où on est les premiers hommes à mettre les mains et où on sort des cristaux. Donc tout ça fait que c'est une passion. Voilà. On est une vingtaine comme ça, chaque été à Chamonix, à chercher, à se passionner. Et alors, vous savez, les cristaux, ça nous prend vraiment, parce que même la nuit passée, moi j'ai encore rêvé, comme je savais qu'on allait parler de cristaux, j'ai encore rêvé de où je suis dans les endroits les plus impromptus. Alors, je suis sur la route qui monte chez moi, et en contrebas, dans le fossé, je cherche, d'un coup, il y a des quartz incroyables. Je me dis, mais comment ça se fait, j'ai jamais vu ces quartz-là. Et c'est des rêves qu'on partage entre cristalliers, c'est assez marrant, hein. Tous mes copains aussi se disent pendant l'hiver, tout d'un coup, ils ont des songes la nuit où ils rentrent dans des cavernes, etc. Donc ça nous prend bien la tête, ouais, ça nous passionne vraiment et ça nous occupe beaucoup l'esprit. Et c'est une passion en fait. Et en plus, c'est des beautés qu'on peut partager avec les gens qui connaissent, mais même des choses comme ça, bon, bah, tout le monde voit que c'est quand même très beau. Et le côté en plus complètement naturel, si vous voulez. C'est la nature qui a fait ça à un moment donné, cet arrangement moléculaire lors de la formation. Alors le cristal, ça pousse quand même en plusieurs millions d'années. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Hein. Et c'est pour qu'il y ait une croissance de cristaux, il faut que ce soit environ à des pressions de 4000 fois la pression atmosphérique et des températures de 500-600 degrés. Et donc, ces conditions-là, on les trouve 10 km sous terre. Ça veut dire que ces cristaux, ils sont d'abord formés dans les roches 10 km sous terre et que par les mouvements tectoniques, par exemple pour les Alpes, c'est donc la plaque africaine qui est venue il y a 15 millions d'années, 20 millions d'années, percuter la plaque européenne. Ça a fait d'énormes pressions dans la roche. La roche, du coup, s'est fracturée, a fait toutes ces fissures. Ces fissures, ben, ça fait des vides. Ces vides se sont remplis de solutions d'eau avec des atomes en solution des différents minéraux constituant le granit. Et puis tout ça donc, à des températures extrêmes sous des très fortes pressions. Puis tout ça va remonter lentement. Hein. Alors ça remonte 1 mm par an, mais 15 millions de millimètres, ça fait 15 km. Donc ce qui était 10 km sous terre, aujourd'hui, est à 4000 mètres d'altitude. Et ces cristaux, donc, ils ont poussé pendant 2, 3, 4 millions d'années, suivant, en bas. À un moment donné, il n'y a plus la pression et puis il n'y a plus la saturation suffisante dans les fissures, donc ça s'arrête. Et donc, cette formation, par exemple, elle s'est arrêtée sûrement il y a 7-8 millions d'années. Et après, ben, c'est dans les fissures, donc ça monte avec la montagne. En haut, ça n'arrête pas de s'éroder. Et puis, à un moment donné, les fissures sont à jour. Mais ça veut dire que nous, on ne ramasse les cristaux que juste en surface de paroi. Là où le dernier éboulement a bien voulu mettre à jour les cavités, mais qu'à l'intérieur des montagnes, il y a autant de cristaux. Ça veut dire que si toute une zone qu'on voit aujourd'hui en paroi est pleine de ces filons, si tout ça s'effondre, la probabilité est la même qu'il y en ait derrière. Et tant qu'il y aura des montagnes, il y aura des cristaux. Alors, fort de ces arguments, on a le droit d'aller les ramasser pour notre plus grand plaisir et puis la plus grande joie de ceux qui apprécient les beautés naturelles.